fais la cour à ta belle, je vois. Hein? Oh. Qu'étais-tu en train de contempler dans l'eau? Rien, je buvais. Ah oui, tu parles. En tout cas, je suis venue te dire qu'Olek et Bolek s'occupent des blessés. Ah, ouf. Que fais-tu là, Ka? Oh. Tu n'as pas de pattes, toi. Je préférerais en avoir, je t'assure. Ça aurait été moins harassant. Vous ne savez pas quel supplice c'est de ramper sans cesse. Pendant 3 semaines, j'ai la peau du ventre tout écorchée. Oh, tu as raison, je n'y avais pas pensé. C'est excessivement douloureux. Aidez-moi à l'allonger, hein? Et maintenez-le. Doucement. Ah, en voilà des manières. Je ne suis pas en caoutchouc. Qu'est-ce que vous croyez? Ah! Très bien, couchez-le sur le dos. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Au secours! Jamais je n'ai eu le ventre à l'air, c'est atroce! Voilà! Maintenant, un peu de pommade sur toute la partie blessée, enfile un bon mafave, et voilà! Le secret, c'est de bien faire pénétrer! Courage! Ça suffit, ça suffit! Assez! Hein? Oh! Hein? La voilà revenue! Faites silence, elle est là! Regardez! Qu'est-ce qu'on doit regarder? Plus un mot et suivez-moi! Là-bas, vous la voyez? Voilà notre reine! Wow. Résister à ton méchant! Je suis conquis. Oui, ça va pas, qu'est-ce qu'il croit? T'es amoureux, ma toi? Vas-y! Ouais, allez, pas chaud! Oh non! Hein? Il a tout fait rater, ce malin! Oh. Elle a disparu. Oh non, c'est pas possible! À moins que. Elle ne m'ait pas vu! Ouais, très bien, ils ont l'air en pleine forme. C'est sûr, et cette fois Simba et Saban seront écrasés sans aucune pitié.
Et alors, je deviendrai le chef tout puissant. 1, 2, 3. Personne ne nous arrêtera. Nous courons, nous creusons et des pièges faisons. Nous sommes des commandos et d'excellents chanteurs. 1, 2, 3. Personne ne nous arrêtera. Nous courons, nous creusons et des pièges faisons. À mon commandement. Halte. Droite, gardez-vous. Mission accomplie, seigneur. Parfait. Prends-en de la graine, espèce d'abruti. Bien, maître. Toute la zone entre le lac Victoria et le Kilimandjaro est truffée de pièges, monseigneur. Bien, alors nous sommes prêts à passer à l'attaque. Et je veux y être. Et toi? En seras-tu? Non, je... Quoi? Rien, je disais seulement que je meurs d'envie de combattre aussi. Bien, alors dans ce cas, tu seras en première ligne. Tu es content? J'espère. Oh! Oh, je rêve! Réveillez-vous! Vite! Elle est revenue! Regarde! Oh. C'est quoi, c'est la bonne! Youpi! Ouais. S'agiter comme ça. Mais tu sais, ils ont toujours été un peu bizarres. Allons voir quand même ce qui leur arrive. Oh, quel bonheur! Regarde là-bas, tu vois Simba? Oh! Ça alors, pour une surprise! Etine, regarde ton médaillon, il s'est mis à briller. J'ai eu la vision des troupes de Shere Khan qui nous attaquaient. Quoi? Mais alors, ça veut dire que nous sommes en danger? Nous devons prendre des mesures urgentes. Il nous faut absolument prévenir Simba. Oui, Canary, vole tout de suite vers Simba, il faut l'avertir. Mais vous n'y pensez pas, j'ose pas le déranger. Va, il n'y a pas une minute à perdre, tu entends? Bon, j'y vais, mais je décline toute responsabilité. Quelle tristesse! Interrompre une scène aussi charmante! Simba, écoute! Coucou, c'est moi! Oui, mais que fais-tu ici? Ce sont les autres qui m'envoient, j'y suis pour rien, moi! Je t'écoute, parle sans crainte! Eh bien voilà, c'est Non, je peux pas faire ça, laisse tomber! Quel drôle de petit oiseau! Pourquoi le canari est-il venu? Que voulait-il me dire? Voulait-il me prévenir de quelque malheur? Oh! Peut-être ont-ils besoin de moi? Que dois-je faire? Oh. 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 Le sort est contre nous, ma bien-aimée. Qui sait si nous nous retrouverons un jour? Adieu, ma bien-aimée. Pourquoi? Pourquoi?
Tu n'as pas dit à Simba que nous allions être attaqués? Ça a été plus fort que moi, j'ai pas pu. Alerte, ils sont en train de nous attaquer. Oh, il faut faire quelque chose ou nous serons tous tués. La situation est sérieuse. Au secours, on est perdu. La position des blessés devient critique. Que pouvons-nous faire? Où est donc Simba? Lui seul peut nous sauver. Je suis là. Simba, on est sauvé. Ça, c'est une chance. Dépêchez-vous, il faut se remettre en marche et en vitesse. Bon sang, mais il est devenu complètement fou. Peut-être bien que n'a pas voulu le rencontrer. Que faites-vous? Allez, avancez. Attaquez, en avant. Il faut accélérer l'allure. J'avais vu comme elle a l'air triste. Qui sait ce qui a pu se passer entre eux? Simba n'a pas l'air joyeux, lui non plus. C'est cela, continuez comme ça. On attaque tout de suite, maître. Pas tout de suite, j'ai une idée. Ils sont sur nos talons, mais ils n'attaquent pas. Simba, vite! Le médaillon de Tin va nous montrer le danger. Il n'y a pas de temps à perdre, allons voir. Alors, que vois-tu? Nous devons faire très attention. La vision me montre un parcours parsemé de pièges. Quoi? Des pièges? Oui, il y a des trous profonds recouverts de branches et de feuilles, et puis d'autres faits de cordes qui en serrent les pattes. Voilà donc leur plan. Ils nous attaqueront quand nous serons tombés dans leurs pièges. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je meurs de faim. Il est vital de découvrir où se trouvent ces pièges. On fait une halte. Profitez-en pour vous reposer. Surtout, ne vous éloignez pas. Il y a des pièges. Oh, quelle barbe! Shere Khan a décidé de nous éliminer. Nous devons jouer d'astuces. Et si on avançait tous à la queue leu-leu? Ce serait un moyen d'éviter les pièges, non? Tu as tout à fait raison, et les animaux les plus robustes marcheront en tête de file. S'ils tombent dans les pièges, ils sauront s'en tirer. Je vais prévenir le reste de la troupe. Qu'est-ce qui se passe? Ils auraient flairé le danger? Qu'importe, on n'a qu'à attaquer. Notre plan est fichu, bougre d'imbécile. Faites très attention. Qu'est-ce que tu fais? Attends! Simba, reviens, c'est dangereux. Tu es notre roi, tu ne dois pas prendre de tels risques. Non, n'avance plus. Éléphant, tire-le de là. Regardez les lianes autour de ses pattes. Si je tombais dans un de ses pièges, je serais mort de peur. C'est pas une façon de se battre. Est-ce que je suis mort? Nous devons nous dépêcher. Shere Khan peut nous attaquer d'un moment à l'autre. Zut, raté. Décidément, rien ne les arrête. Oui, Simba est astucieux, mais il ne perd rien pour attendre. Oh.
Ces pièges sont mortels. Restons vigilants. Oh. Hein? Reste là! N'approche surtout pas! Oh. Hey, génial, là, elle est enfin venue! C'est romantique! Si elle est revenue, c'est qu'elle est amoureuse, elle aussi! Non, n'approche pas, c'est dangereux. Va-t'en, va-t'en. Cette fois, ça y est. Oh, non, Andrei. Le terrain est truffé de pièges. Éloigne-toi vite. Arrête. Non. Je t'en supplie, n'avance plus, c'est dangereux. Retourne en arrière. Éloigne-toi! Oh! Va-t'en! Oh! Oh! Il ne veut pas que je m'approche de lui. Pourquoi? Oh! Pourquoi me repousse-t-il ainsi? Oh. Alors, il ne m'aime pas! Oh! Oh. Mon cœur se brise! Jamais elle ne voudra me voir. Je ne peux pas la laisser partir sans lui expliquer. Mais maintenant, c'est impossible. Je dois d'abord sauver mes amis. Oh ! Allons ! Alerte! L'ennemi attaque! Oh. Repoussez-les vers les pièges! Tous avec moi! Demi-tour et contre-attaquez! Massacrez-les! Massacrez-les! De la grande ours. À moi. Ah, encore ces rayons, les lâches. S'il croyait pouvoir nous arrêter en faisant des trous... Ce serait cocasse s'ils s'y précipitaient eux-mêmes en s'enfuyant. On peut remercier Simba. Où est-ce qu'il peut bien être? Je ne le vois nulle part. Pas de panique, il est là-bas, regardez. Oh. Il est malheureux, car il pense à sa jeune lionne, je crois. Apparemment, elle a
disparu. Dommage, c'est vraiment trop bête. C'est sa faute aussi, hein. S'il s'était montré plus courageux, il n'en serait pas là. Hein? Moi, à sa place, j'aurais foncé. Crétin, tais-toi donc. T'as rien compris. C'est pas vrai. Bah, c'est pas très compliqué. Oh, tu n'y es pas du tout. Tu sais pourquoi il est revenu? Parce qu'il voulait nous sauver la vie. Simba a un cœur noble. Il a sacrifié son amour à son devoir. Son abnégation est sublime. J'avais pas pensé à ça. Dans ce cas, évidemment... C'est tout différent. Pour le remercier, on pourrait organiser une rencontre. Oh. Ouais! Bravo! C'est une bonne idée. Mais attention, si on organise une rencontre, il faut le faire sérieusement et il faut que ça réussisse. Avec tout ce qu'il a fait pour nous, on lui doit bien ça. Pour une fois, t'as raison. Mais pas un mot, gardons le secret. Simba ne réussit pas à savourer pleinement sa victoire. Sa pensée est ailleurs, et son cœur aussi. Il souhaitait tellement rencontrer enfin la jolie lionne. Le maléfique Shere Khan lui a refusé de goûter ce moment de bonheur. Pour faire face à son devoir, Simba a préféré se précipiter au secours de ses amis qui risquaient de périr. Retrouvera-t-il l'élu de son cœur ? Vous le saurez en regardant notre prochain épisode. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, nous dix ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains vivent ici, on se surprend, on se fait peur, on sourit, on fait la course, on se faufile partout et la nuit nous endort, quelle est belle la vie, comme la jungle est jolie, elle est notre mère, c'est une autre maman, Arbor est notre papa. Chanteur, un corbeau directeur, un crocodile nageur, à la balle joue le chien, il joue vraiment bien. Le serpent se faufile et les singes sautillent, nos souris qui marchent, on dirait des stars. Le tigre les observe, les protège, il oublie sa colère de ne plus être roi.